La parole est à Sébastien Huyghe. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Mais je voudrais dire, Monsieur le Premier ministre, qu'en matière de sécurité, vous pouvez essayer de remettre en cause le quinquennat précédent. Il y a une chose de sûre, un fait, c'est que la délinquance diminuait résolument sous le quinquennat Nicolas Sarkozy et que depuis que François Hollande est président de la République, elle repart à la hausse. Mais ma question n'est pas là, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pardon. Demain, France Télévisions a choisi de faire de Marine Le Pen l'invitée vedette de son émission politique des paroles et des actes. Plus de 2 heures de direct devant 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Mais la fille de Jean-Marie Le Pen n'est pas seulement la présidente du Front National, elle est aussi la tête de liste aux élections régionales de la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Or, cette invitation intervient 2 jours avant que ne court le délai de 6 semaines qui impose à France Télévisions l'équité de traitement entre les candidats. Cette invitation est donc une rupture claire des engagements de service public de France Télévisions. Devant ce scandale sans pareil, Delphine Ernotte, la présidente du groupe France Télévisions, a été saisie par Xavier Bertrand. Pas de réponse. La ministre de la Culture, tutelle de France Télévisions, a été saisie par Xavier Bertrand. Pas de réponse. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, et non à Fleur Pellerin, restée muette sur ce dossier. Devant la polémique, nous avons eu pour seule réponse une proposition indécente de la part de la rédaction de Des Paroles et des Actes d'un reportage en campagne de 3 à 5 minutes partagé avec la tête de liste socialiste sur une émission de plus de 2 heures. C'est une honte. Cette invitation ne choque pas uniquement dans les rangs de l'opposition. Le premier secrétaire du Parti socialiste a lui-même reconnu que c'était parfaitement anormal et il me semble qu'il s'est fendu d'une lettre. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. France Télévisions a-t-elle décidé de faire la campagne de Marine Le Pen? Auquel cas, allez-vous réintégrer la redevance payée par chaque Français dans les comptes de campagne de Madame Le Pen? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur Sébastien Huyghe, j'ai bien compris, mais pour des raisons tout à fait admissibles, que la campagne des régionales va s'inviter régulièrement ici dans cet hémicycle. Et votre question est tout à fait légitime. Il y a Conseil supérieur de l'audiovisuel qui doit être saisi pour faire respecter précisément l'équité entre les candidats aux différentes élections régionales. Je crois que nous pouvons tous nous mettre d'accord là-dessus. Ce n'est pas la première fois que ce type de problème arrive. Il y aura, je n'en doute pas un seul instant, et je l'espère, des débats pour permettre aux différents candidats dans les régions de faire valoir bilan et projet. Il faut le souhaiter pour la démocratie. En même temps, il faut débattre. Et le choix du gouvernement et de la majorité, c'est de débattre. C'est la raison pour laquelle nous faisons un autre choix que le vôtre. Et Stéphane Le Foll, membre du gouvernement, porte-parole, sera demain dans ce débat, dans cette confrontation. Parce qu'au-delà de cette question, encore une fois, légitime, ce qui nous importe et ce qui m'importe, c'est le débat. Et c'est le débat notamment avec et contre l'extrême droite, en France et en Europe, sur le fond et sur les idées, car le choix plus que jamais dans notre pays, c'est entre une certaine vision de la France qui privilégie les valeurs de la République, le rassemblement, l'apaisement, la non-exploitation des peurs sur le défi terroriste, le défi des réfugiés, les problèmes de sécurité, et une autre vision qui est celle de la rupture et de la volonté au fond de mettre à bas et notre modèle social et une certaine vision de la France. Alors, plutôt que de parler de la forme, moi, Monsieur Huyghe, je souhaite que nous parlions du fond, des projets pour la France, des projets pour les régions et des valeurs. Et des valeurs, à force de courir en PACA ou dans le Nord-Pas-de-Calais de Picardie, derrière les thèses du Front National, c'est vous qui faites le jeu de l'extrême droite, alors que plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler autour des valeurs de la République.